Je précise très bien que l'histoire, c'est la science des traces. Et que ce que j'ai dit dès le départ, que la génération que vous représentez pour recueillir le message de vos aînés que nous sommes, c'est-à-dire l'histoire que nous avons vécue, pas l'histoire que nous avons écrite. Nous sommes allés en Guinée pour répondre à la personne qui nous a acceptés dans notre position de la FEAM, Fédération des étudiants africains en France, la FEAM, qui avait dit qu'il faut répondre non au général de Gaulle, que l'Afrique ne veut pas rentrer dans la loi cadre pour devenir des États de la communauté française d'Afrique, changeant ainsi le statut de colonie en communauté française. Nous qui étions à la Sorbonne, c'est cette génération que nous incarnions, nous avons dit non, qu'il faut dire non à ce référendum de 58. Et la Guinée était le seul pays qui a dit non. Mais avant de le faire, Sékou Touré nous a écrit pour nous demander, mais si je dis non maintenant, les Français menacent de nous retirer les cadres, de nous retirer les instituteurs, de nous couper les aides. Qu'est-ce que nous faisons, moi, si je dis non? Nous avons dit à Sékou Touré que nous avons décidé que tous les étudiants africains vont quitter leurs études pour venir là-bas enseigner, prendre la relève des enseignants français. Parce qu'il n'y avait pas encore d'université en Guinée, donc on était tous des professeurs du lycée ou d'enseignement supérieur des collèges ou complémentaires et autres, n'est-ce pas? Donc nous avons, lui avons donné cette assurance. Et c'est ainsi que nous sommes donc allés en Guinée. Les femmes guinéennes étaient vraiment les plus motivées et les plus ardentes à vouloir participer à cette lutte, et elles ont répondu en masse à l'appel de Sékou Touré. Et justement, il y a beaucoup de femmes de milieux populaires qui essayaient de convaincre les femmes de milieux un peu bourgeois, ce qu'on appelait les élites indigènes, de venir voter aussi pour le RDA. Et parce que ces femmes un peu aisées ne voulaient pas prendre trop de risques. Sékou Touré disait que la Guinée, lorsqu'il y a eu déjà les complots que Sékou Touré fabriquait lui-même de temps en temps, et d'autres vrais vrais complots, comme on dit, les vrais complots qui existaient aussi, Sékou Touré avait livré une guerre d'abord aux commerçants. On a vu le complot des commerçants, on a arrêté tous les commerçants, le complot des professeurs et des enseignants, les réostras et autres, comme on peut vous citer à chaque fois des leaders, et puis maintenant, les complots des intellectuels, c'est-à-dire nous autres qui venions d'Europe, des universités d'Europe, pour aller au secours de l'enseignement supérieur en Guinée pour l'Afrique. Voilà un peu ce que Touré disait, qu'il allait faire table rase de tous ceux qui viennent de l'Europe et créer ses propres structures, d'où ce qu'il a proclamé la révolution culturelle, hein, pour lesquelles nous aussi nous étions, pourvu qu'on ne savait pas que c'était non pas pour former les nouveaux cadres correspondant aux réalités humaines, sociopolitiques et historiques de l'Afrique et de la Guinée, mais ils pensaient nous liquider nous-mêmes qui venions pour être les artisans de ce renouveau national et africain, doutant de notre propre combat, qui étions les enfants de la FEAM en France pour la libération de l'Afrique. Malheureusement, l'euphorie n'a pas duré très longtemps, et au bout de quelques années, on a commencé à observer un certain nombre de dérives
de ce régime qui avait tant fait rêver un certain nombre d'intellectuels et même d'Africains du peuple, hein, des gens qui étaient partis juste pour apporter leur contribution et leur savoir-faire. Et donc, il y a eu un certain nombre, bon, le pouvoir a commencé à se méfier un peu de tout, notamment le président a commencé à avoir une gouvernance un peu autoritaire et il voyait des complots partout où ça lui servait à se débarrasser de gens. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal qui ont été obligés de fuir, et notamment Maryse Condé qui a été obligée de quitter le pays, de s'enfuir parce qu'elle craignait pour sa vie et qui est partie se réfugier au Ghana avec ses enfants, et elle a dû redémarrer de zéro alors qu'elle avait toute sa vie en Guinée. Donc c'est vrai que dans le quotidien, ce serait bien qu'on puisse avoir des témoignages de tous ces gens qui étaient partis avec beaucoup d'enthousiasme et qui un jour ou l'autre se sont retrouvés dans la tourmente alors qu'ils n'avaient rien fait, ils étaient juste venus servir la Guinée. Depuis l'indépendance le 2 octobre 1958 jusqu'aux élections présidentielles de 2010, la Guinée a connu des pendaisons, des enlèvements, des massacres, des viols et des déplacements de population. Sans jamais ouvrir une véritable enquête. Il est maintenant temps de nous regarder en face et de nous dire la vérité pour enfin finir avec l'impunité et l'injustice dans notre pays. Nous ne pourrons pas bâtir une nation, instaurer un état de droit et une démocratie sur du mensonge. D'où la nécessité de recueillir le maximum de témoignages pour dire la vérité, toute la vérité sur la Guinée. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu vécus sous domination, comme le soleil qui commence à paraître. Là que tu sors de la colonisation, que tes enfants au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, soient tous unis pour te rendre prospère à jamais. Et toujours tu seras le vainqueur, terre d'Afrique, mère chérie, Cameroun, tu es le premier pays indépendant qui sauvera l'Afrique. À toi l'honneur et le grand honneur. J'ai chanté ça à la tribune des Nations Unies à New York et à la conférence des Nations Unies à Genève pour montrer que je représentais l'homme de la liberté de l'Afrique et l'amitié entre les peuples et les êtres dans le monde. Ça, c'est l'hymne camerounaise, version des libérateurs.